Quand je regarde le monde, tant de haine et de colère, quand je regarde le monde, tant de collines et de lumière, que je ne peux que croire qu'avec un peu d'espoir, deviendra paix. Shalom, shalom, paz y pace, poco mir, salam. Je veux crier la paix en toutes les langues, que l'on puisse m'entendre. Shalom, shalom, paz y pace, poco mir, salam, salam. Je pense pas croire en Dieu. En fait, je pense que tant que t'sais, c'est sûr qu'on peut pas voir Dieu, mais je suis un peu du genre à... Tant qu'on me l'a pas montré sous les yeux quelque chose, je suis pas du genre à croire en général. Je crois pas en Dieu parce que notre existence n'est pas régie, selon moi, par une entité quelconque, mais tout simplement par nos décisions que nous prenons chaque jour. Je dirais que je crois en une force supérieure, mais de là à l'appeler Dieu, c'est pas clair. Je suis pas le type à aller à l'église à tous les dimanches, mais je suis croyant sans vraiment pratiquer. C'est pas instauré comme tradition avec mes parents dans ma famille, j'y vais jamais. Sauf peut-être dans des enterrements. Je dirais que depuis l'âge de 12-13 ans, on n'y va plus vraiment avec la famille. En fait, j'y allais principalement à cause de la famille. J'y vais une fois par année pour la messe de minuit et c'est tout, là. Sinon, je vais pas à l'église régulièrement. Depuis longtemps, je sens en moi brûler un feu. Depuis longtemps, je sens en moi brûler un feu. Un héritage, une patrie cherchant à vivre. D'une autre vie, celle du ciel, lorsque j'entends. Je fais de toi la lumière devant toutes les nations. Je fais de toi la lumière devant toutes les nations. Tu m'as appelé, parle, ton serviteur écoute. Oh oui, parle et je dirai, me voici. La famille Marie-Jeunesse est née ici au Québec il y a une vingtaine d'années, donc par des jeunes qui se rassemblaient pour prier Marie ensemble. Puis, avec les années, tranquillement, quelques-uns ont eu le goût de poursuivre cette aventure-là, que ce ne soit pas une rencontre seulement quelques jours par semaine, mais que ça devienne leur lieu d'engagement, parce que l'Église a commencé à être découverte au fur et à mesure que la prière prenait de la place. Et puis, donc, il y a eu les premiers engagés dans la communauté vers les années 90. Et puis, à maintenant, en cette année, il y a 5 maisons. Donc, 2 au Canada, puis 3 à l'étranger. Notre prière communautaire, c'est le chapelet devant le Saint-Sacrement. L'adoration est au cœur de notre vie contemplative. Et il y a l'Eucharistie, évidemment, tous les jours. Soit source de joie.
Notre vie missionnaire, mais est de deux volets. Évidemment, on est demandé pour des animations à l'extérieur, des retraites, mais aussi ici dans la maison, parce que nous accueillons aussi beaucoup de monde, donc les jeunes qui viennent en retraite. On dit souvent, Marie Jeunesse, l'évangélisation des jeunes par les jeunes. C'est que souvent, par l'amitié, les murs sont moins hauts, évidemment. Donc, quand il y a des jeunes qui viennent, qui se font amis avec d'autres jeunes, c'est plus facile après de dire, mais toi, pourquoi tu es heureux? Pourquoi tu fais ces choix-là dans ta vie? Et puis, à travers tout ça, mais pour être efficace dans notre vie missionnaire, il y a un bon gros volet de formation. Il y a d'ailleurs une histoire qui parle d'un enfant qui marche, qui fait une parade avec d'autres, et puis tout le monde marche au pas, sauf le petit garçon qui, lui, est à l'envers. Puis la maman qui s'exclame dans la foule, « C'est tout extraordinaire, mais mon fils est le seul à avoir le pas! » C'est le plus beau, c'est le plus fin, mais à un moment donné, veut, veut pas, arrivent ces étonnements. Et je disais souvent, moi, aux gens qui se préparaient pour faire baptiser leur enfant, je disais souvent, vous allez faire baptiser votre enfant, là. Eh bien, ce sera pas seulement votre enfant, il va être une créature nouvelle dans le Christ. Parce qu'il est une créature nouvelle, ce que vous pensez connaître de lui n'est pas le tout de lui. Il va avoir une œuvre divine qui va se faire en lui et il peut vous surprendre. Le jeudi est un peu notre point central, c'est-à-dire que les jeunes autour de nos maisons, dans chacune des maisons, sont invités à venir partager le repas du soir avec nous. Le jeudi, évidemment, qui est, on se rappelle la dernière scène du Seigneur, on a choisi ce jour-là et pour la fraternité, donc les jeunes viennent participer avec nous au repas. Après le repas, il y a un temps fraternel, souvent de partage musical ou de partage entre nous, suivi d'une grande soirée de prière autour de la parole, de l'Eucharistie. On est habitué dans notre société d'avoir des endroits où c'est des espaces non-fumeurs, mais de plus en plus, on dirait qu'on a des espaces non-chrétiens aussi dans la société, où que les chrétiens sont interdits de s'exprimer. Et voilà qu'il y a une petite phrase, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je me dis, c'est un petit peu dangereux comme affirmation, parce que je pourrais être tenté d'utiliser cette phrase-là pour mon propre intérêt, puis pour faire valoir mes points de vue. De dire, puisqu'on est dans un monde agité, on va, dans cette soirée-là, vraiment rechercher le volet de l'Eucharistie, qui est la rencontre avec les autres, mais avec Jésus là, qui est là, dans la grande paix du cœur. On est dans une période actuelle depuis 5 ans où les jeunes sont en recherche véritable de ce qui est sincère. Et puis, c'est comme s'ils ont un sixième sens, puis ils découvrent qu'autour d'eux, il y a plein de personnes ou de situations où on essaie de leur vendre des idées, leur vendre un avenir, leur vendre quelque chose, alors que eux, c'est la sincérité, la vérité. Je suis engagé depuis déjà 10 ans dans cette communauté en tant que consacré. Et puis, bien, dans mon cheminement de foi, je me suis engagé aussi dans un... Je dirais que je chemine depuis 5-6 ans vers le sacerdoce. Bien, moi, je viens d'une famille très croyante. Je goûtais à une fraternité, je goûtais à une famille qui me faisait beaucoup de bien. Et cet esprit de famille-là, je ne l'ai pas retrouvé dans le monde. Et je l'ai cherché. Et lorsque j'ai rencontré la famille Marie-Jeunesse, j'avais l'impression que c'était cette même famille qui m'avait donné la vie, cette même famille qui m'avait donné la foi aussi, que je retrouvais. Et je dirais que mon appel au sacerdoce est vraiment né à travers mon expérience missionnaire. J'ai eu l'occasion d'aller 2 ans à l'île de la Réunion, parce que j'ai fréquenté des jeunes pendant 2 ans, et puis de voir des jeunes qui avaient vraiment beaucoup la foi, à travers l'accompagnement aussi, l'accompagnement spirituel. Je sentais en moi comme le désir de donner plus à ces jeunes que je rencontrais. Au congrès eucharistique, il y aura 8 ordinations, justement, des membres de la communauté. C'est unique, je pense, dans notre province de Québec depuis près de 40 ans, qui est 8, et même là, on sera 12, là, à être ordonnés en même temps.
On me demande souvent pourquoi il y a des vocations sacerdotales chez vous, alors que dans certains diocèses, c'est plus difficile. Je pense que la situation du Québec actuelle, c'est que les familles ne sont plus un lieu où on partage la foi comme quelque chose de bon dans une vie. Et à partir de là, comment penser à devenir quelqu'un qui peut partager la foi si ce n'est pas un élément profitable pour ma propre famille? C'est vrai que c'est étonnant dans le paysage québécois que cette émergence des communautés nouvelles, c'est le grand contraste hein, entre les communautés séculaires qui pratiquement se meurent, hein, qui les monastères sont vides, et ces communautés-là qui regorgent de jeunes. Oui, c'est effectivement surprenant. En même temps, ça s'explique bien, je pense, par cette quête-là de repères assez fixes, de se donner un lieu pour trouver les mots pour dire des quêtes à la fois identitaires et de sens à donner à sa vie. Je souhaite que les groupes de jeunes qui naissent un peu partout hein, soient très soucieux de pouvoir rapidement être mis au service des communautés chrétiennes. Et que la suppléance des prêtres diocésains puisse être assurée par ces groupes-là. Dans la communauté, on a beaucoup de demandes pour aller de manière diocésaine dans les diocèses du Québec. On ressent une forte interpellation à faire de notre mieux pour être disponible. Puis le moyen qu'on a trouvé qui était le plus efficace, c'était de mettre notre charisme au service de l'Église. L'image que j'ai de l'Église catholique au Québec est négative, parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup de tort avant, quand tout le monde s'y lançait aveuglément. J'ai plus l'impression que c'est les personnes âgées qui sont comme pratiquants là, au Québec là, en général. Là. Je pense qu'on est resté sur un ancien modèle qui vaut peut-être plus aujourd'hui. Le Centre Québec Lectus a été fondé par le Séminaire de Québec déjà en 2004. Et à ce moment-là, il a été fondé à la demande de Mgr Couture et par la suite du cardinal Ouellet pour faire quelque chose pour les jeunes adultes qui avaient beaucoup de besoins dans l'Église. Collectif musical chrétien, il y a du théâtre qui se fait et là on approche les jeunes qui des fois n'ont jamais fait de théâtre, le but est vraiment là. On a touché à la poésie, on touche un peu aussi à la peinture par de brefs ateliers. Donc on essaie de toucher à tout, on confie à des jeunes des fois la photographie ou la vidéo quand on a des occasions aussi. Nous croyons aussi vraiment qu'avant de faire des chrétiens de quelqu'un, il faut les aider à être des hommes et des femmes debout, libres, qui ont beaucoup d'estime d'eux-mêmes. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on travaille à travers ces activités. Nous, on est dans un projet de musique chrétienne, projet pour lancer un collectif là, pour renouveler un peu les chants au Québec dans les églises ou pour faire du chant chrétien populaire. Puis le samedi, on vient pour la création, mais aussi pour recevoir des ateliers de différents auteurs, compositeurs connus comme en formation, là, si on veut. Et moi, j'ai toujours trouvé personnellement qu'on était très tranquille au Québec. Parce que quand on fait un party, on swing, puis on arrive à l'église, et tabarouette qu'on est tranquille, tu sais. Puis on dit un psaume qui « Tous les peuples battaient des mains, virgule, acclamaient Dieu en éclats de joie. » Tu sais. « Hey! Tous les peuples battaient des mains! » Tous les peuples battaient des mains, on va parler.
Et nous, quand on fête la Saint-Jean-Baptiste, bien, on sort nos cuillères puis nos tam-tams, tu sais. Puis tu arrives à l'église, puis « be quiet ». Alors, dans mon livre, j'ai un chapitre qui est « Éveillez-vous, harpe, sitar », qui est une parole de « Éveillez-vous, vous dormez tu ». Sais. J'avoue, c'est tentant de croire en rien, mais croire en rien, ça mène à rien. Ça mène à rien. Ah, 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 ah. J'avoue, c'est tentant de croire en rien lorsque j'entends ce baratin. Ce baratin. Québec avec tous, c'est comme un phare, finalement. C'est une lumière. Puis les gens, ils viennent et puis ils en repartent. Ils ne sont pas contraints de croire. Ils ne sont pas contraints de devenir chrétiens pour... Puis je pense que ça reflète bien, finalement, ce que le chrétien doit être, là, un peu à l'image du Christ. Là. C'est une présence au cœur du monde. Puis c'est une présence d'accueil. C'est une présence qui prend les gens où ils sont rendus pour les amener plus loin. Changer d'air, sortez les sifflets, les ballons pour un morceau de petite misère sur ce qu'on appelle des scènes. On y trouve de vieux mendiants, ils réclament l'amour d'eux-mêmes, ils en redemandent aux passants. Non, je ne veux pas être un clown ni un mendiant de. Québec Ictus a produit un album qu'on appelle Émergence. Voyez-vous, sur Émergence 3, je suis le seul, peut-être, chrétien, catholique, pratiquant, fervent, parce que c'était pas le but d'Émergence 3 d'endisquer nécessairement de la chanson chrétienne. L'idée, c'était de faire de la chanson plus humaniste. Ça a donné que moi, je suis du projet et que je suis chrétien. Notre grande surprise a été, après Émergence 3, d'entendre les jeunes parler autant de spiritualité, d'un projet qui, à la base, ne le semble pas du tout, parce qu'on laisse les jeunes exprimer leurs valeurs indépendamment de leur foi, et qui quittent en mentionnant à quel point cet aspect spirituel-là les a beaucoup rejoints et les a beaucoup touchés. J'ai toujours eu un désir de faire du théâtre en dedans de moi, un peu refoulé. T'sais, on a des parties de nous qu'on dévoile pas souvent. Puis il y a un moment donné, j'ai vu l'annonce dans la revue Kiwi du Centre Ictus pour faire l'activité de théâtre. Fait que j'ai dit là c'est le moment d'y aller. Fait que j'ai essayé ça. Ça ne ressemble pas beaucoup aux photos là. Je suis baptisé. Cependant, je peux pas me considérer comme pratiquant. Je crois en Dieu, je crois à tout ce qui est spirituel. Je vous dirais que ma recherche spirituelle, c'est plus tournée vers l'intérieur. Étant donné que quand j'étais jeune, j'étais pas trop d'accord avec l'Église, la manière que c'est montré. Surtout à l'enseignement au primaire puis au secondaire, les religions catholiques. C'est peut-être plus maintenant, en 2008, c'est plus comme ça, là, mais quand j'étais plus jeune, c'était plus moralisateur. Je vais à la messe de minuit, parce que je trouve ça important, c'est symbolique. C'est de garder les choses symboliques, de garder les choses sacrées, c'est ça qui est important. Mais je vois qu'il y a un gros changement. C'est sûr que si on garde l'approche au niveau des jeunes est différente que, mettons, v'là 20, v'là 10 ans. C'est différent. Moi, dans mon choix personnel, j'ai décidé de ne plus être pratiquant, sauf que je respecte. C'est important de respecter. Puis je vois le travail que les gens d'ici font pour aider les jeunes de mon âge, et plus jeunes et plus vieux, à se découvrir, à découvrir leur propre réalité intérieure. Puis là, tout à coup, plus rien. Des bruits, des lumières, plus rien. Là, je voyais plus. Mais je pouvais entendre leur voix. Oui, 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 oui.
C'était leur voix. La manière d'arriver au dialogue entre les jeunes, de leurs différentes cultures, de leurs différentes même religions, quand ils arrivent ici, je pense que c'est d'arriver auprès d'eux sans prétention. Moi, j'arrive pas en disant « je suis chrétien, voici, c'est la vérité, et c'est ce en quoi vous devez croire ». J'arrive avec plutôt, bon, c'est pas ça que je leur dis, mais moi en tête et l'équipe, lorsqu'on intervient auprès d'eux, on arrive en tête en disant « ça, on est tous créés à l'image de Dieu ». Que l'on croit ou non en Dieu, on est à l'image de Dieu. Donc, le croyant, l'incroyant, peu importe sa culture, a quelque chose à m'apprendre de Dieu. Les jeunes sont très, très sensibles à ces véhicules de la pensée que sont toutes les formules de l'art. Donc, et puis ensuite, il arrive que l'art également élève l'âme. En soi, l'art est porteur de beauté, et de bonté. Donc, par ce véhicule-là, on peut faire passer des valeurs humaines qui rejoignent les valeurs évangéliques. Bon, je pense que les cours de religion à l'école, c'était très... je pense qu'on essayait un peu de nous endoctriner. En tout cas, moi, dans mon cas, ce que j'ai vécu, c'était un peu ça. J'espère qu'aujourd'hui, ça a changé puis qu'on s'ouvre plus envers les autres religions, parce que c'est beau, la religion catholique, oui, c'est ça qui a été prédominant au Québec, mais le fait de connaître les autres religions, ça va nous permettre d'ouvrir notre esprit et d'être plus tolérant. J'ai pas eu le choix, donc j'ai suivi les cours, mais exemple, j'ai dû apprendre le Notre Père par cœur, puis c'était pour un examen, donc j'avais pas le choix non plus. En fait, j'ai retenu pratiquement rien de ça. Ça a été tellement diversifié, l'enseignement. J'ai des professeurs qui le faisaient plus, on dirait plus pour que ce soit fun, pour que capter l'attention, parce que probablement qu'il savait lui-même que la matière qu'il avait enseignée, les jeunes s'en foutaient. Là. À partir de septembre 2008, il n'y aura plus non plus, non seulement le système aura été déconfessionnalisé, mais il n'y aura plus non plus d'enseignement confessionnel dans les écoles, et on va passer à une autre étape qui va être l'offre d'un cours d'éthique et culture religieuse obligatoire pour tous et donnée de façon continue de la première année du primaire à la fin du secondaire. On veut, dans le cadre de ce programme-là, que les apprentissages tiennent compte de la réalité du jeune, de l'environnement dans lequel il est et de la culture québécoise. Il y aura quatre niveaux de prépondérance. Le premier étant l'apprentissage de connaissances sur le christianisme, particulièrement du catholicisme et du protestantisme. À deuxième niveau, on va retrouver les spiritualités des peuples autochtones et de même que le judaïsme, qui ont joué un rôle important dans l'histoire du Québec. Et à un troisième niveau, les grandes religions, le bouddhisme par exemple, l'islam, l'hindouisme, parce que de plus en plus d'immigrants se réclament de ces traditions-là au Québec, et il y aurait des apprentissages de prévus. Et toute autre religion à un quatrième niveau. De même aussi, parce que le programme se veut inclusif, de même que ce qu'on appelle des conceptions séculières du monde et de l'être humain, et nous avons mené une expérimentation dans 8 écoles du Québec auprès d'environ 4000 élèves, près de 200 enseignants, qui nous ont permis de recueillir des données là, sur le projet de programme. Il y a des choses quand même assez étonnantes. Des élèves qui se disent, par exemple, jeunes catholiques, ont vu que le programme leur permettait, il n'y avait rien qui était, comment dire, par rapport à leur foi ou à leur conviction, rien ne les compromettait. Mais le fait de s'ouvrir et de regarder, par exemple, un autre point de vue ou un élève ou des groupes qui partagent d'autres convictions, ça leur a permis de voir que dans les religions, il y avait beaucoup de points de ressemblance, mais qu'aussi il y avait des particularités. Et du coup, ça leur a permis d'approfondir leur propre tradition religieuse. On vous écoute. Bonjour. Nous, on va vous parler de Tina, un enfant d'Indonésie. On va faire des ressemblances puis des différences. Les évêques ont été consultés. On a proposé des changements là-dedans. C'est un gros changement parce qu'un cours de culture religieuse va parler de toutes les religions. Et il y a beaucoup de parents qui disent, voyons donc, moi, je ne suis pas intéressé à ce que mon enfant entende parler du bouddhisme. Et puis, l'État dit, ben oui, mais il y en a autour de vous. Puis c'est normal que vos enfants sachent en quoi
ils sont différents, pourvu que ça soit bien enseigné. On passe donc, on va faire ce passage-là, là, avec crainte et tremblement un peu. Mais il n'empêche qu'en général, dans la population, tout en déplorant que l'État ait fait ce changement-là, contre l'avis des parents, je pense qu'on peut dire que ça n'est pas une décision démocratique. C'est beaucoup plus une décision politique et culturelle. Et lorsqu'on regarde ce qui fait un peu partout à travers le monde, c'était presque inévitable qu'on en arrive là. Alors, il faut que l'Église se prenne en main. On voudrait donner une vraie alternative, une alternative confessionnelle enseignée par des enseignants qui veulent le faire dans les endroits où c'est possible et permettre aux parents, dans le fond, de décider ce qu'ils veulent pour leurs enfants, que ce ne soit pas à l'État de le faire, mais bien aux parents. C'est ça que vous voulez? Ah, parle-moi de ça! Hein, la religion, là, c'est pas quelque chose qui doit être marginalisé puis mis dans le sous-sol d'église. On ne veut pas retourner dans les catacombes. On a le droit d'avoir des convictions puis des affichés en public. Et je pense que beaucoup d'évêques, même s'ils restent vigilants avec ce qui est en train de se passer dans l'école québécoise, c'était d'ailleurs la teneur de leur dernier message en mars, réaffirment que c'est un plus pour leur vie ecclésiale d'avoir repris en main cette partie si importante, au fond, de la vie des communautés de foi et de du lien avec cet autre lieu de transmission qu'est la famille. Parler de mathématiques, de français, d'histoire, de géographie, et ensuite tomber dans l'ordre des convictions, ça dévaluait automatiquement la chose. Alors que là, que les communautés croyantes prennent en charge la conviction et que l'école reste comme les autres matières dans l'ordre des connaissances, en bout de ligne, moi, je pense que le catholicisme, l'Église catholique va y être probablement gagnante. Ma croix que mon parrain m'a donnée après la cérémonie chez nous, je l'aime beaucoup parce que j'adore mon parrain puis ça représente mon entrée dans la vie de Dieu. Porter ma chandelle de baptême était importante vu que je l'ai eue à mon baptême quand je me suis fait baptiser pour savoir que j'étais rendue dans la vie des chrétiens. Il y a une question d'immigration qui se pose au Québec depuis un certain nombre d'années avec une diversité d'immigration beaucoup plus importante qu'auparavant. Et il nous apparaît que c'est significatif pour ces immigrants de connaître l'héritage religieux du Québec. Et c'est une façon de permettre cette connaissance par tous les citoyens de cet héritage religieux du Québec. C'est une première priorité. La deuxième, c'est de nous apprendre à vivre avec la diversité religieuse. Et pour vivre avec cette diversité, il faut reconnaître chacune de ces religions-là, mais en partant évidemment avec celles qui sont les plus présentes dans la société. Profitons du lieu commun qu'est l'école pour donner un enseignement général aux enfants qui les ouvre à la diversité religieuse qui est le fait de notre société et qui le sera de plus en plus, mais aussi qui les prépare à comprendre la place que le religieux peut jouer et dans la vie des individus, des communautés et de la société en général. Je pense que nous sommes, et nous le croyons, nous sommes plusieurs à croire que c'est quand même une voie importante, une voie souhaitable, qui est une façon originale, elle n'existe pas ailleurs dans le monde, c'est une façon différente d'aborder le religieux et qui a le potentiel de répondre aux défis des sociétés pluralistes qu'est le Québec, mais que sont la plupart des sociétés occidentales aujourd'hui. Ça fait la quatrième année que je suis pasteur de l'Église Unie Saint-Jean. Donc, l'Église Unie, c'est la plus grande église protestante au Canada.
dire? C'est d'abord une église anglophone. Les francophones protestants sont doublement minoritaires, si on veut, minoritaires comme francophones dans une église anglophone, et puis minoritaires comme protestants au Québec dans une province sociologiquement très majoritairement catholique. On regroupe des gens d'un très large territoire. Et donc, c'est plus une paroisse de choix. Les gens ont décidé de venir ici, des gens de différentes origines européennes, comme moi, mais aussi des Québécois, qui, après des périodes où ils avaient quitté toute pratique religieuse, comme ça a été pour beaucoup le cas après la Révolution tranquille, se recherchent un lieu pour vivre leur foi, et puis ont découvert l'Église unie comme un lieu dans lequel ils se trouvent bien. Je voyais des jeunes adultes qui se trouvaient venir au culte. Donc des personnes, je dirais, dans la tranche entre 20-35 ans. Et ben, au bout de quelques temps, j'en ai contacté plusieurs et puis je leur ai proposé en fait de peut-être se rejoindre, se retrouver, avoir peut-être des activités ensemble. De 1938, non? Je suis dans un processus, qu'on pourrait dire, d'affirmation que je suis chrétienne. Puis quand j'en parle à certaines personnes, j'ai une réaction de gens qui pensent que je suis en train de faire un retour en arrière, que je suis en train de m'attacher à des vieilles traditions, à des vieilles choses. Puis moi, non, j'essaie de leur dire au contraire, c'est moderne ce que je vis, c'est quelque chose qui reflète tout ce que je vis dans ma vie en tant que jeune aussi, parce que c'est encore pire quand on est jeune, parce que chez les jeunes, c'est très tabou. Comme je dis, en fait, la religion, chez les jeunes, c'est un des sujets les plus tabous. On ne parle jamais de ça. Beaucoup de gens me disent « ça te sert à quoi, ça? C'est fini. On n'a plus besoin de religion. Pourquoi tu fais ça? Ça t'apporte quoi dans la vie d'aller à l'église? » Et souvent aussi, je me fais menacer de « impose pas tes idées, on ne veut pas en entendre parler ». Et quand les gens, ou les gens les plus polis disent « oui, oui », et ils n'ont rien compris, ou ils ne m'ont pas écouté. C'est le sujet le plus difficile à discuter. On peut parler de... Je peux parler de ma sexualité. Je peux facilement dire que je suis lesbienne. Les gens ne vont jamais me juger, mais que je suis chrétienne. Oh! Attention, le sujet dangereux. C'est presque plus facile au Québec de faire son coming out comme homosexuel que de faire son coming out comme chrétien. J'exagère à peine. Je viens d'une église très conservatrice, à la base. Dans le but d'aller chercher une église plus ouverte, ben, j'ai décidé de venir voir l'Église unie. Moi, la prédication, ce que j'aime beaucoup, c'est que, contrairement à d'autres églises plus traditionnalistes, elle est moins... c'est moins un sermon. Ce que je trouve, c'est que c'est plus comment nous faire réaliser par nous-mêmes les choses derrière l'histoire biblique en tant que telle. J'aurais pas senti le besoin d'aller à l'église Saint-Jean si j'avais pas senti l'appel dès le départ. Je me sentais bien chez moi. Moi, j'appelle ça faire mon Jésus à la maison. J'avais ma Bible, j'avais des livres pour me ressourcer spirituellement. J'étais bien comme ça. Quelqu'un un peu plus solitaire, peut-être. Et puis, mais quand j'ai senti l'appel, c'était pas possible de faire ça chez moi. Alors, il fallait que j'aille dans une communauté. Et puis, donc oui, c'est une démarche qui était personnelle. Comment je vois ma vie de pasteur aujourd'hui, puis comment je la vois... demain, ça va être probablement deux choses différentes parce que c'est toujours... les besoins sont tellement grands. Un pasteur fait plein de choses. C'est un travailleur social, c'est un leader spirituel, c'est un ami, c'est un professeur, c'est plein de choses en même temps, puis ça comble plein de besoins. Pour moi, je pense que ma responsabilité est plus d'enseigner l'amour de Dieu, le message, la bonne nouvelle, le message de Jésus. Il faut une spiritualité, il faut quelque chose qui nous fasse vivre autre que l'argent, le culte de l'argent, le succès, la réussite à tout prix, la surconsommation, le matérialisme. Ça fait pas vivre. Au contraire, je crois que ça tue. Ça crée des dépendances, ça crée des frustrations, ça crée des faux besoins. La vérité n'est pas là-dedans.
Le centre de jour permet de recevoir les personnes qu'on rencontre qui n'ont pas de lieu d'accueil, particulièrement des personnes en situation d'exclusion sociale. Donc, c'est vraiment un lieu d'accueil inconditionnel où les gens peuvent venir, peu importe leur statut, leur vécu, leur passé, leur apparence. Disons que c'est la place pour tous ceux qui ne trouvent pas leur place ailleurs. Ce sont des jeunes aussi qui sont victimes beaucoup de préjugés, soit par leur apparence, soit par leur condition de vie. Donc, c'est des gens qui trouvent très peu leur place dans d'autres ressources, que ce soit des ressources orientées vers les jeunes ou même d'autres ressources communautaires. Le plateau est installé ici, où il va se faire les différentes étapes, donc de couper le verre, meuler les différents morceaux, cuivrer. Et finalement, dans l'objectif d'installer ça sur le plan final, salut Karine! Karine qui est une de nos participantes au micro. Et dans le but de venir installer chacun des morceaux ici sur le plan final. C'est par un ami. Puis un jour, parce que moi, j'étais une grosse, j'étais une consommatrice, moi aussi. Puis cet ami-là était consommateur de la drogue que je faisais. Donc, c'est lui qui m'a montré à ici, là, qui m'a montré à venir si je voulais prendre un café ou si j'avais pas d'endroit où aller le jour. Mais il m'a montré que Point de rue était ouvert aux jeunes qui ont de la difficulté et tout. Là. C'est sûr que ça vient que j'ai pas consommé parce que j'allais bien dans ma vie. C'est sûr que ça allait pas bien. Ces problèmes-là, je les ai réglés, oui. Peut-être c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, je suis capable de plus consommer. Parce qu'avant que je rentre en thérapie, si tu veux, je pensais tout le temps à ces problèmes-là. Puis peut-être que c'est ça qui faisait que je rechutais tout le temps. Je peux pas vous le dire, mais je sais que maintenant, ces problèmes-là, oui, je les ai réglés. Puis c'est sûr qu'on a toujours des problèmes à régler. Là. On a toujours dans la vie, il faut tout le temps surmonter des obstacles. Là. Mais je pense que je vois plus aujourd'hui le côté positif de la chose que le côté négatif. Là. Je suis capable de plus voir, bon, mais si ça est arrivé, c'est parce que c'est arrivé. Là. C'est qu'en plus, à la place de retomber puis de rechuter, dans le fond. Là. Fait que la première approche, c'est là que ça s'est passé. C'est l'évêque qui se rendait compte qu'il y avait du monde qui se tenait au parc Bessard, qui était comme vu indésirable, puis que les policiers arrivaient là-dedans, voulaient étasser, les citoyens voulaient étasser. Fait que finalement, l'évêque était le premier à asseoir les travailleurs de rue. Bon, on est encore à Point de rue, on se pratique sur des tables. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a choisi un lieu à Trois-Rivières pour exposer les vitraux, qui était un lieu qui était très habité par les jeunes qu'on rencontre et où, un lieu où il y avait des problématiques au départ de vandalisme ou de, bon, il y avait de graffiti, par exemple. Et puis, on a souhaité, dans le but d'enrayer ces problématiques-là, d'installer nos vitraux dans ce lieu-là. Et puis, ben, tout d'un coup, on s'est rendu compte que la criminalité a baissé beaucoup, que tous ces méfaits-là étaient vraiment en grande réduction, puisque ben, c'était les jeunes eux-mêmes qui créaient les différents vitraux. Hey, il est beau, ce jeu! C'est beau, hein? Marc, qui brille. Cet envers-là, il était très difficile à essayer. Il y a le choix des couleurs. Pour ça que moi, j'aime ça là, à cause du rose. Ah oui, il est beau, ce envers-là. Beau, on reconnaît la cathédrale. Notre petite sœur Suzanne, qui est notre petite sœur des Ursulines à 83 ans, je pense, c'est elle qui nous a équipés parce que c'est toutes les sœurs des Ursulines qui nous ont donné les chaises, qui nous ont donné les tables. Le premier vitrail qu'on a fait, c'est le vitrail sur l'arrivée des Ursulines. Puis c'est les sœurs Ursulines qui ont été les premières à acheter le vitrail. Il est clair aussi qu'il y a des préjugés face aux jeunes marginalisés, mais il y a aussi des préjugés face à l'Église. Beaucoup de nos jeunes de l'Église, ouais, c'est quoi ça, les prêtres puis les curés, ils s'impliquent pas, ils font rien, bon, peu importe. Ben, de se rendre compte qu'il y avait une petite sœur des Ursulines qui vient puis qui est capable, avec qui on échange, avec qui on a une complicité, qui se fait proche de nous autres, ben, pour nous autres, c'était très précieux à ce niveau-là. Moi, j'ai comme déjà eu la passion des vitraux, là, mais tu sais, je me disais comme ça donne rien de faire ça parce que. Continue à en faire, on peut.
Mais il travaille avec Béniste, mais des fois, il en fait pour du monde, là. Tu vas peut-être aller travailler là avec pour lui Jean après, Beaulieu, hein? Bien, pas pour papa, sûrement pour... je vais aller faire application chez Jean Beaulieu, puis je vais demander si je peux continuer là-dedans, parce que c'est un métier que j'aimerais faire. Oui. L'avenir, pour moi, je pense que c'est dur à dire qu'est-ce que je veux voir pour moi dans l'avenir, parce que c'est toujours dur à décider. On sait pas qu'est-ce qui va arriver demain, là. Mais je pense que j'essaie de voir le côté le plus positif, je pense, puis j'essaie d'être comme de... Je pense que... Je sais pas comment l'expliquer, mais j'aimerais ça avoir comme ma petite vie à moi, là, mon petit mari, je pense. Je pense qu'il faut croire en soi, parce que... au départ, là, genre, parce que... Si tu crois pas en toi, mais tu t'arriveras jamais à réussir à arrêter de consommer. Là. Donc... ensuite, il faut que tu croies aussi que le monde, il t'aime alentour. Ceux qui t'aiment, il faut pas que tu lui fasses du mal aussi, là. Moi, comme, je crois pas vraiment en une force supérieure en haut, mais j'ai une petite, comme, si tu veux, j'ai un ange gardien, puis je pense que lui aussi, il m'aide beaucoup là-dedans en haut, là, à ce que, tu sais, comme ma vie soit bien un moment donné, que ça soit pas tout le temps de la merde, là. J'ai une grande foi dans le sens que j'ai la foi en l'être humain, j'ai la foi en nos capacités, j'ai la foi au potentiel des individus qu'on rencontre. Je pense que si on a réussi à développer les services qu'on a ici, fallait y croire profondément. Et pour moi, la foi, c'est de croire profondément. Pour moi, la pratique, c'est de faire que chacun de nos gestes au quotidien soit imprégné des valeurs, qu'ils soient des valeurs morales ou des valeurs religieuses ou des valeurs humaines. Donc, dans ce sens-là, mes convictions, oui, je les vis au quotidien. Et je tente que peu importe les gestes que je pose, que ce soit dans le cadre de mon travail ou dans le cadre de toute autre implication, ben que ça vienne dépeigner de ce qui m'anime et des convictions humaines que j'ai. Personnellement, je n'aime pas qu'on ramène la pratique religieuse à la sacramentalisation. C'est un aspect qui est important. Mais lorsqu'on aide le prochain, lorsqu'on le fait au nom de sa foi, on pratique sa foi. Alors, la foi a différentes manifestations de pratiques. Et ça, je dirais que dans la mesure où ça ne se limite pas à la sacramentalisation, il en reste beaucoup dans notre peuple. Beaucoup de gens disaient « je ne suis pas religieux, mais la question spirituelle m'intéresse ». Dans un certain courant, on redécouvre que les grandes traditions religieuses sont aussi accompagnées d'une démarche spirituelle. Et les gens s'intéressent souvent aux traditions religieuses davantage pour cette démarche spirituelle qu'elle peut offrir, sans pour autant se sentir lié avec l'ensemble de la vie de l'Église catholique, par exemple, ou de celle d'une autre tradition religieuse. Alors, dans ce grand marché du sens, les atouts de la religion catholique, principalement, mes yeux portent sur la capacité ou l'offre de cette tradition religieuse-là de s'inscrire précisément dans une tradition, d'apporter un autre rapport au temps et de jouer en ce sens-là sur l'identité des individus. Alors que, grosso modo, ce que nous propose le marché comme sens, comme proposition de sens, la consommation, l'engagement, la réalisation de soi par toutes sortes de moyens ou par toutes sortes d'articles qu'il nous faut acheter, la tradition religieuse, elle, arrive avec une proposition différente dans la mesure où elle s'inscrit dans une perspective historique. C'est tout de même la religion des générations précédentes. Je crois pas vraiment en Dieu. Je crois qu'il y a peut-être t'sais, quelque chose qui existe de ce genre-là, mais je crois pas. J'ai pas vraiment la foi, là, mais je suis quand même l'amie d'Erika, puis ça m'empêche pas d'être son amie, même si elle croit en quelque chose que moi je crois pas. J'ai été baptisée, mais j'ai pas eu une éducation vraiment catholique, donc j'ai pas été plongée dans cette atmosphère-là tout au long de ma vie, mais ça m'empêche pas de croire en quelque chose de supérieur, mais c'est pas nécessairement la foi catholique. C'est juste avec Erika que j'en parle, parce qu'elle fait partie d'une communauté. J'ai pas beaucoup d'amis qui sont croyants, mais... à part ça, j'en parle pas beaucoup avec les autres. Je pense que ça lui fait du bien. Puis pour ça, ben, moi, je respecte ça vraiment. Ça me dérange pas du tout. Je suis touchée par cet engagement-là. Ne sommes-nous pas des frères unis par la
terre. On respire le même air en priant le même père. Opinion, religion, tout est confusion. Dieu a trop créé d'options. Quand j'arrive à Marginès, en fait, il y a toujours une accueil chaleureuse. Puis, tu sais, des fois, c'est Jennifer qui m'accueille. Jennifer, c'est ma marraine depuis presque quelques mois, je dirais, là. Puis, c'est une sœur de la communauté de Marginès, justement, qui m'aide vraiment beaucoup à grandir dans ma foi, je pense. Qui m'aide beaucoup à approfondir ce que je vis. C'est comme si, en fait, tu avais partagé tantôt là, que tu voulais déborder, en fait, de l'amour de Dieu. Mais c'est comme si tu forçais tellement qu'il n'y avait pas le temps de te remplir le cœur que tu voulais déjà te donner, comme. Donc, c'était comme un bouchon que tu avais comme mal placé, là. Mais c'est comme si, au lieu de déborder, puis ça coule à flot pareil, mais c'est comme si tu donnais tout de suite ce que tu recevais. Mais c'est ça prend d'abord un bassin pour accueillir l'amour avant de devenir comme un canal, puis de pouvoir, tu sais, partager cet amour-là. Merci de venir la ressourcer durant ce temps de prière, ce soir, avec toute la communauté. Merci de préparer nos cœurs à la soirée de prière. Et merci de nous bénir. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Je suis fière de toi. Merci d'être là. Je pense que c'est important. Vraiment, vraiment, t'es vraiment important dans mon cheminement. Intense. Qu'est-ce qu'on a vécu de beau, de grand? Qu'on va se partager ça ensemble. Peut-être qu'on va prendre un petit moment de silence pour y penser. Qu'est-ce qui s'est passé de beau cette semaine? Au début, j'étais un peu réticente. Je pourrais dire, là, j'étais un peu bloquée, je crois. Puis, petit à petit, je pense que j'ai réussi à ouvrir mon cœur avec des prières, on pourrait dire. Puis, c'est fou comment il jaillit vraiment, là. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de chemin à faire encore. Puis, tu sais, je pense que j'ai appris à... J'apprends doucement à accueillir que la douceur, justement, là, que c'est pas besoin d'être pressé ou quelque chose, mais que Dieu agit en son temps. Quand est allée à Marie-Jeunesse, pour moi, ça a été une joie. Ça a été un cadeau. Qu'à toutes les semaines, Erika, je sache qu'elle va prendre le temps, qu'elle vieillit, elle va s'envoler, puis elle va avoir cette ressource-là en elle de plus pour faire face à la vie, c'est génial. J'envisage vraiment de m'engager à Marie-Jeunesse, au moins pour un an, ça c'est certain, puis de m'engager à Dieu pour toute ma vie. On verra comment, mais j'ai pas envie justement de me fermer à des portes, mais je sens un peu l'appel à donner ma vie pour Dieu. Moi, je suis pas du tout inquiète, au contraire. Je pense que cette année-là peut permettre à Erika de tout se réapproprier, ce qui est à elle. C'est la fin d'une étape dans sa vie. C'est l'ouverture vers des grands choix. Pour moi, toutes les possibilités sont ouvertes et sont tous correctes si elles viennent de son cœur. Ben aujourd'hui, ça va être bon parce que, vous voyez, il fait soleil dehors. Il a fait froid la nuit dernière. Là, il fait chaud présentement. C'est chaud. Fait que là, ça va être chaud. Là, c'est un test pour voir si on est suffisamment concentré en sucre pour avoir du sirop. On estime que ça prend à peu près 40 litres d'eau d'érable pour faire environ 1 litre de sirop. Près de 80 % des Québécois disaient: si les valeurs sont si pitoyables dans notre province, c'est parce que les gens sont moins pratiquants religieusement. Et parce qu'un désir de construire une famille qui se tient, je pense qu'ils vont retourner chercher dans la foi catholique quelque chose qui est unique. S'il y a un renouveau, ça sera davantage, à mon sens,
vraiment un renouveau, quelque chose de neuf, qu'un retour ou à des formes qui ont déjà existé le passé, pour toutes sortes de raisons, hein, des raisons organisationnelles d'Église catholique. On ferme des paroisses et on les réouvrira pas. Il manque de prêtres, donc. Pour des raisons également théologiques, il y a certains concepts qui n'ont pas résisté à la modernité. Nos jeunes sont très ambitieux, ils ont beaucoup d'ardeur, ils ont beaucoup d'espérance. Nos jeunes peuvent penser que tout est faisable, parce qu'on a un pays qui a beaucoup de facilité, qui est jeune, on manque de main-d'œuvre à l'heure actuelle chez nous, c'est incroyable, la natalité a fait qu'on manque de main-d'œuvre. Et puis, alors les jeunes sont assurés d'avoir de la main-d'œuvre, on a une éducation qui est très poussée dans les universités et tout. Ces jeunes-là ont un avenir devant eux qui est extraordinaire. Mais alors, moi, je me dis, il faut profiter de ça et savoir y mettre la dimension religieuse qui vient apporter un complément à ça. Et puis, quand le jeune s'ouvre à ça, c'est merveilleux. Tu m'as aimé jusqu'à...